Good morning, allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, le Nishmat, François Fagi, Ben Chana, Janine, Oulet, Batfortou, Mazel Fritna, Claude Chomo, Ben Shalom, et Ishaya, Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Kidushin, Perek Dalet, Mishnah, Yudalef. Isha Nasati Bimdina Tayam, Vareizo, Ve'elu, Banea. Meviraya à la Isha, Venozach la Viraya à la Banim. On continue la Mishnah précédente, le principe. On est toujours dans le sujet de vérifier les générations, les affilier les gens à des gens chéris pour pouvoir se marier avec eux. Lorsqu'ils grandissent, bon, si je veux marier avec quelqu'un, il faut s'assurer que c'est des gens chéris. Ce n'est pas des mamzerim, donc il fallait vérifier jusqu'à 4 générations en arrière. C'était l'émission interprétée dans le Mishnayot, non. Et savoir qu'ils ont des parents, grands-parents, et voilà. Donc, il fallait donc vérifier comme ça les générations. Maintenant, on avait évoqué le cas dans la Mishnah, qu'il y a quelqu'un qui est parti à l'étranger marié avec une femme. Imaginez, ils étaient mariés ici, ils ont vécu 2 mois, après ils sont partis, ils reviennent 15 ans après avec une femme. On ne sait pas ce que c'est ou ce n'est pas elle, et il y a des enfants qui sont attachés à elle. On avait expliqué qu'on ne suppose pas que peut-être qu'il a une femme. Deuxième cas de figure qu'on avait dans la Mishnah précédente, c'était le cas où il revient sans femme, parce que sa femme elle est décédée. Alors on a apprécié qu'il fallait juste trouver comment faire le rapport entre la femme et les enfants, aller chercher un témoignage que ces enfants qui sont là, ils étaient rattachés à une certaine femme qui était partie, qui vivait avec elle là-bas. On ne va pas supposer qu'il a changé de femme. Maintenant, on a un nouveau cas. Cette fois-ci, il est parti, Isha Nasati Bimdina Tayam. Je me suis marié avec une femme quand j'étais à l'étranger. On a maintenant quelqu'un qui est parti, notre ami Réhouven, on a grandi avec lui, à l'âge de 18-19 ans, il est parti tenter sa chance au Venezuela. Bon, il va, il revient quand il a 40 ans. Et il nous raconte, et il revient quand il a 40 ans, avec une femme et des enfants, merveilleux. Il a Baruch Hashem, il a bien grandi là-bas, il a fait fortune, il s'est marié, il a une famille très propre, maintenant il est revenu au Berkaï. Alors quoi? Eh bien, donc, Isha Nasati Bimdinatayam, je me suis marié avec une femme lorsque j'étais à l'étranger. Arizo, voilà cette femme. Velobana, et voici ses enfants. Alors, dans ce cas-là, il va juste falloir qu'on fasse une vérification sur la femme. Qui est-elle? Qui sont ses parents? Qui sont les grands-parents? Qui sont les grands-parents? Quelle génération de mariage? Parce que si tu veux qu'on te reprenne maintenant, chez nous, on est des gens de très bonne souche. On est tous chérim, on a des parents chérim, des grands-parents chérim. On ne se mélange pas avec n'importe qui. Tu nous dis que tu t'es marié avec une femme, quoi, la cabotte, c'est bien, enchanté. Maintenant, il faut juste que tu nous dises qui sont tes parents, tes grands-parents, il va falloir qu'on vérifie. Jusqu'à quelle génération on n'a rien. Mais dès qu'on va vérifier qui sont les parents de la fille, alors on n'aura pas besoin de vérifier ensuite que peut-être les enfants ne sont pas les siens. Pour quelle raison? Même principe à la mission précédente. Les enfants, ils sont courus, machare imam. On voit que c'est des enfants qui sont proches de leur mère. Lorsqu'ils ont un petit bobo, ils viennent pleurer dans ses jupons. Et donc, du coup, c'est sûr que c'est ses enfants. Donc, on a juste besoin de savoir qui est la madame. On vérifie quelle génération en arrière qui est-elle. Et dans ce cas-là, bienvenue au club. Tu rentres chez nous, on se marie avec toi, tu te maries avec nous, enfin avec tes enfants, sans aucun problème. D'accord? C'est ce que Michel m'a dit. Donc, Isha Nasati Bimdina Tayam. Je suis marié avec une femme lorsque j'étais à l'étranger. La Reizo, et voilà, c'est elle. Ve Elu Banea, et tels sont ses enfants. Eh bien, Mevi Raya Ala Isha, il devra apporter juste une preuve. Assurer, certifier que cette femme, c'est une bonne femme chéra de quelle génération. Ensuite, de prouver que les enfants sont bien les enfants de la mère. On voit que c'est des enfants de la mère, c'est pas les enfants d'une étrangère. Je regarde qu'ils sont rattachés à elle. Maintenant, la situation la plus complexe, c'est qu'il est parti veuf, et il est parti célibataire, il revient veuf avec des enfants. Alors là, dans ce cas-là, il va nous falloir la totale. Quoi ? Meta Velo Aléa, je suis parti, il était derrière l'étranger avec une femme, il s'est marié là-bas avec une femme qui est décédée, et tels sont les enfants, il revient avec des petits-enfants, eh bien, Tzerech la Viraya, Alaïcha, Alamani, il faudra faire apporter une double preuve, pour nous prouver qui était la femme avec qui il s'est marié, et ensuite, s'assurer que les enfants qu'on voit là, étaient bien les enfants qui étaient proches de leur mère, et ce n'est pas les enfants d'une étrangère, parce que dans la mesure où tu en es un, on ne savait pas que tu étais marié. Tu t'es marié avec quelqu'un, peut-être tu as eu 3 femmes, peut-être qu'il a eu 2 femmes, et que les enfants, d'accord, on va prouver qu'il s'est marié avec la fille du grand rabbin, hein, de la communauté syrienne.
d'Amérique. Très bien, ok, mais qui a dit que c'était des enfants, peut-être qu'ils étaient entre temps, ça s'appelait des aînés, ça n'en a plus une autre. Qui a dit? Donc il va falloir prouver, d'une part, que qui s'est marié avec une femme, et que les enfants, la femme, fameuse femme qu'on a prouvé qu'elle était, qui était décédée là-bas, ouais, qui était Kshéra, les enfants, ils étaient affiliés à cette femme, et dans ce cas-là, c'est bon, on a maintenant la cacheroute, on pourra continuer à se marier, on pourra ensuite accepter et tolérer de se marier avec les enfants qu'il a ramenés. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.